salut à tous et bienvenue dans la folie des Artrix. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Pokémon version blanc 2 en Wedlock Challenge. Et donc voilà la team que j'ai décidé de prendre. Donc Lorenzo et Susan Boyle parce qu'ils ont purgé leur suspension et en plus en les faisant monter niveau 40, eh bien ils ont évolué dans leur dernier stade d'évolution, donc c'est très intéressant. Pierrot et Annie parce que c'est les MVP de maintenant de cette équipe depuis que Jean-Vivien et Sylviane sont partis. Et Rocco, parce qu'il lui faut une compagne, donc voilà. Et donc, on va partir. J'ai pas pris Funécire et Camerupt au final, parce que c'est deux Pokémon de type feu et qu'on a déjà assez de Pokémon de type feu. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est l'air qui bouge. Voilà, non mais oui. Non mais oui, c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup d'XP. Et donc, Piétisol. Force cachée. Ah. Machouille, tricherie, ça utilise l'attaque adverse. Je crois pas qu'il ait une très bonne attaque, ce truc. Il a une très bonne défense, ça c'est sûr. D'accord. Il se soigne grâce à sa Béoran. Tendance. Donc, il va me faire avoir son... Au lieu d'avoir à prudence, j'ai régé force. Très bien. Et la machouille pour finir. Et là, je vais avoir masse XP. 1932, voilà, c'est très bien. Les arbres qui bougent, c'est la vie. Surtout quand XP tes Pokémon. Donc, on va faire le mont à l'envers. Donc, on a déjà eu un Pokémon au mont à l'envers. On a eu Camerupt. Le bon Camerupt. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Max repousse. Bon, je vais pas m'en servir. Alors oui. Alors, Géolite, je pourrais le buter. Mais le problème, c'est que... il doit avoir fermeté. Et je sais pas ce qu'il peut me faire derrière, donc on va pas prendre de risque. Bonjour. Oh putain. Oui, c'est le Mont-Rennes en vert, d'accord. Ok. Donc elle nous accompagne et elle soignera nos Pokémon. Ok. Hyper potion. On va descendre du coup. Pourquoi il y a des rapions ici? Un Géolite et un rapion. Bon, on a déjà fait cette zone. Donc elle nous envoie quand même un Pokémon pour nous aider. Donc là, normalement, est-ce qu'il faut lui parler pour qu'elle soigne nos Pokémon ou c'est à la fin de chaque combat? Ah, d'accord. Donc, par en bas, là, à droite, gauche. Un petit chamallow, normalement. On a eu la chance alors de tomber sur Camerupt. On aurait pu tomber juste sur chamallow. Je suis content, moi, au final. Mon petit Camerupt. On va pas gueuler parce qu'on a eu un Camerupt. Donc, combat duo. Bonjour. Je suis un chasseur de trésors déguisé en randonneur. Et toi, tu es un... Que la force de la montagne soit avec moi. Donc, c'est un montagnard. Alors, combien de Pokémon? C'est ça la question. Le but, c'est quand même d'arriver à la prochaine zone pour trouver une compagne à Rocco. Nosferalto et Ouvrifière. D'accord. Ouvrifière, j'aime pas trop. Ouvrifière, j'aime pas du tout. Le problème, c'est que là, je peux rien faire. À part essayer de lui faire un tunnel dans la gueule. Voilà, tue le Nosferalto. Nickel. Donc, il attaque avant l'Ouvrifière. Attaque l'Ouvrifière, s'il te plaît. Oh, l'âme d'air. Psycho, tue-le, s'il te plaît. Oui. L'Ouvrifière, il faisait très très peur. Grabarak.
Je vais refaire tunnel. Ok, donc le Mushana va mourir, je pense. Non. Tunnel, est-ce que ça le tue? Pas du tout. Donc le Mushana va cette fois mourir. Même pas, putain, il y a un bug sur ce Pokémon. Oh là là, mais Mushana, il est trop fort. Lorenzo, bah tu peux pas faire tunnel cette fois, donc tu vas faire Machouille sur Lac Messigne. Voilà. Ça fait très mal, danse pluie, tue-le. Tue-le, Mushana. Donc danse pluie, je vois pas trop à quoi ça sert. Bon, c'est pas grave, d'accord. Tu veux pas, tu ne veux pas le tuer, c'est pas grave. Tu meurs. Moi, je le tue. Ouais, donc impudence qui ne sert pas à grand-chose. Vu que le combat est terminé, niveau 41. Lorenzo, t'as failli mourir. Je te le dis, hein. Je te le dis. T'as failli mourir. Et ça aurait pas été cool. C'est un labyrinthe. Très bien, j'adore. Un géolithe et un rapion. Ce serait bien de tomber sur un shiny hasard. Voilà, en duo, un shiny hasard, ça ferait un peu chier. Parce que si, par exemple, c'est un rapion avec son Mushana, un peu le one-shot. Et ça serait pas cool. Là, il y a une Pokéball. Polyroche. D'accord. Je peux pas utiliser la bicyclette. Je peux pas monter derrière moi sur la bicyclette. D'accord, pas par là. Il y a une dresseuse, mais j'ai pas envie. Un géolithe et un chauve-souris. Là, on a quand même. On en rencontre deux à chaque fois, donc on a deux fois plus de chances de rencontrer un. Quoique non, j'ai de la merde. Chaque Pokémon a une chance sur 4096 de shiny, donc bon. On n'a pas deux chances de plus, mais quelque part, si, puisqu'on en rencontre deux, vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi ça? C'est la sortie? Déjà? Non, c'est rien du tout. Ce n'est rien du tout, c'est pas une sortie. Ouais, non, c'est bon. Et là, il y a deux Pokéballs. Ah bah on est là où il y a nos amis qu'on avait vu au début de l'épisode. Donc très bien, on récupère des objets. Donc là c'était juste pour le délire. Hop, là il y a un top dresseur. Vous avez vu comme je l'ai habilement... J'ai pas compris qu'est-ce qu'il faut chercher. D'accord. Et donc, faut trouver Atran. Non, parce que si faut trouver Atran, c'est pas drôle parce que je peux pas le capturer. Non, non, mais de toute façon, faut pas capturer Atran. On se casse. Donc, très bien, c'était ici qu'il fallait regarder. Très bien, ok. Donc, on ressort, c'est ça? On va le battre, lui, tout seul. Bon, lui, il est censé nous soigner, normalement, mais bon, elle nous soigne déjà, donc bon. C'est pas très intéressant. Mais je vais le battre quand même. Il a qu'un Pokémon, c'est un Rhinolove. Très bien, Rhinolove. Lorenzo. Tricherie. Voilà. C'est très bien, Rhinolove. Ça marche très bien. Bon, l'impudence, c'est chiant parce qu'il prend pas en compte qu'il y a Pokémon derrière. Donc, c'est très bien. Ouais, donc il nous soigne alors qu'on est déjà soigné par Bianca. Et qu'on n'a pas pris de dégâts. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment un labyrinthe, ça me saoule. J'aime pas les labyrinthes. Donc, le chamallow et le chauve-sourire qui ne sont pas shiny. Ça va être la seule utilité des... Alors par contre, tu me fais chier avec ta prédiction. Voilà. Autant te le dire. On va monter. Donc c'était le bon endroit, je pense. Orbe flamme. Très bien.
Oh, y a rien ici. Il y a juste un top dresseur. Les top dresseurs, je m'en méfie parce que pour une seule raison, c'est que bien souvent ils demandent des combats trio et du coup j'ai pas envie. Les combats trio, c'est bon, j'ai donné. Je vais essayer de les éviter au maximum. Donc c'était pas là qu'il fallait aller. C'est très bien. Ah. Il y avait deux minotaupes femelles ensemble dans le même trou. Hein, je veux pas dire, mais je sais pas ce que vous faisiez dans ce trou. Allez, on se casse. Tac. PP plus. PP plus. PP plus, PP plus, PP plus. Monte un peu les PP, voilà, ça c'est très bien. On va le mettre de suite. On va le mettre sur Pierrot et on va lui mettre sur... Coup de feu. Voilà. Là, il y a un combat de jeu. Voilà, donc ils sont pas shiny, on accélère. Ça m'étonnerait qu'on trouve un shiny. Hein. Tellement peu de chance de l'avoir. Et puis en plus, vous me connaissez, moi j'ai pas de chance. Donc un petit combat duo, là on est obligé de l'avoir. Bonjour. Donc soit on va à droite, soit on va à gauche. Moi je dirais à droite parce qu'on voit une sortie. Je pense qu'il faudra aller à gauche, mais bon, on va à la droite. Un gros ray et un vibranin. Alors gros ray c'est très bien. Putain, 39. Il a Theory Force. Bon, gros ray, on va s'en débarrasser. Voilà. Ah non. D'accord. Il attaque le Mushana. Très bien. Theory Force qui attaque le Mushana aussi. C'est très bien. Je suis pas contre. Ballombre sur le gros ray qui est mort. Alors, le Vibranymph, comment on se le fait? Parce que le Vibranymph, il est vol. Gros drive. J'ai envie de tenter un piétisol, mais je pense que ça passe pas sur... Voilà, ça passe pas. Ça passe sur aucun des deux, ça va tuer juste le Mushana. C'est génial, en plus ça réduit sa vitesse. C'était le bon... la bonne chose à faire. Le châtiment sur le Mushana. Oui, par contre, il est ultra... bulky. La balle ombre qui est super efficace, d'accord. On va faire tricherie sur le gros drive, on s'occupera du Vibranymph après. Ça tue. Il a pas boom final. C'est bon. L'impudence. Le Vibranymph qui focus le Mushana. Il a compris que moi j'étais pas une menace apparemment. Ou je sais pas. Enfin bref, on s'en fout, mais bon, c'est bien. Donc la défense spé qui baisse. La petite mâchouille. Allez, je pense pas que ça fasse grandement de dégâts. Oh, ça va. Ça tue, c'est le principal. L'impudence. Oui, mais en plus, l'impudence. Donc voilà. Mon attaque qui continue d'augmenter. Et donc, Camerupt. Alors, Camerupt. Piétisol. Tous les jours. Donc, j'ai tué le Mushana, c'est pas grave. Et je devrais tuer le Camerupt aussi. Coup critique super efficace, double impudence. Il avait aucune chance. Double impudence, hein, voilà. Je sais pas pourquoi. Encore, je sais pas pourquoi deux fois, mais bon. Ah oui, parce que j'ai tué le Mushana. Donc ça m'a compté comme une impudence, très bien. Ok. Donc niveau 42, la réponse universelle. Allez. Ah non, il n'y avait pas de sortie du tout par ici. Là, il y a une sortie. On va la prendre. Et donc, on est arrivé à la fin de la grotte. Donc voilà, elle devait étudier des trucs par rapport à Itran. Et nous, on arrive à Vaguelone. Qui est une ville fort sympathique au demeurant. Très bien.
Est-ce qu'on peut capturer un Pokémon à Vagelone? Vers Aquatube. Bonjour monsieur, tu peux me laisser rentrer? Ah d'accord. Très bien. Très bien. Donc une ville plage, un peu comme Poivre et Sel. Mais ce qui veut dire qu'on peut surfer ici. Le problème c'est que j'ai plus le Pokémon qui surfe. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut apprendre surf dans l'équipe là? Non. Donc il faut que j'aille au centre Pokémon récupérer juste l'Acme Signe, histoire de faire surf pour capturer un Pokémon ici. Donc Vagelone c'est juste ça. Ouh. Parce que du coup, ça c'est Vagelone, c'est ça? On est à Vagelone ici. Bon attendez. On va faire. Ah non. Ok, petit combat contre Mire qui a 3 Pokémon. Déflaisant. Alors Déflaisant, je peux pas le toucher avec mes attaques sol. Mais ça, c'est pas très grave. Machouille. Si j'avais su, je pense que j'aurais pas mis ces deux Pokémon devant. Là, je vais devoir faire le combat avec... D'accord. Je vais faire le combat avec Lorenzo et Susan Boyle. Donc pas grave. Voilà, le déflaisant, l'impudence. Je pense que l'impudence va me sauver. Feuille ou temps. Et ouais, mais l'impudence. Mais l'attaque plante. Donc, Susan Boyle. Bien. 39 hein. Gros yeux, très bien. Hyper potion, c'est pas grave. Coup critique s'il te plaît sur ton bomber. Non. Torgnol pour finir. Canon graine. Ah, il est vite, très bien. Canon graine, très bien. Bon, tu vas... il va me le buter quand même. Merci, Torgnol. Ça va pas le tuer. Oh, c'est une blague. Allez, l'hyper potion. C'est une blague, sérieux. On va reprendre un bomber. Et donc, l'amiral. Je peux pas envoyer Lorenzo sur Clamiral. Je sais plus quel type il est. Deuxième type il est. Je vais les perdre. Faut que j'arrive à le toxique. Si je le toxique, après je le bute. Mais je sais pas si... Non, ça serait marqué, c'est pas... Ça ne l'atteint pas. Il faut obligatoirement que je le toxique. Toxique-le. Oui. C'est bon. J'ai gagné. Maintenant, je peux le pépestol. En espérant qu'il me fasse... Enfin, je peux le tuer au toxique en espérant qu'il me fasse pas de coup critique. Parce qu'il va perdre de plus en plus de PV grâce au poison.
ça lui met la trouille, Bomber. Putain, merci, Susan Boyle. Je me tue pas, par contre. C'est bon. Ouh! J'ai cru qu'on allait les perdre, hein, franchement. Niveau 41. J'ai vraiment cru qu'on allait les perdre. Waouh. Ouais. Donc il faut que je continue par là et je pense qu'on aura une zone. Donc on va déjà soigner nos Pokémon. En fait, pour finir, on va faire deux zones, voilà. On va faire cette zone là. La zone qui est en haut, je pense. Il y a une zone. Et on fera l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite l'Acme Signe. Retirer. On va juste prendre l'Acme Signe comme ça. Il sera pas sur les layouts, ça sert à rien. Voilà. Puisqu'on va le redéposer dans le PC juste après. C'est juste le temps de trouver une petite compagne à notre cher Branette. Donc déjà, on va faire la zone qui est en haut, je pense. Il y a une zone ici. Voilà, la route 13. Essayons de tomber sur aucun dresseur. Voilà, alors, une femelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Ouais, donc il a pas de sexe, donc on peut pas le capturer. Enfin, j'ai décidé que les Pokémon asexués, je les prenais pas. C'est moi qui ai décidé ça. Pourquoi? Oh non! Pourquoi? J'ai jamais un couple qui va ensemble. Enfin, un... Bon bah tant pis. Ça aurait pu être intéressant Béquipant au final, mais bon tant pis. Donc du coup on va aller surfer en bas. Putain, je l'avais oublié. Bon, on va l'accélérer son bar. Qu'est-ce que tu as? Oh non. Pitié, me le tue pas. Merci. Merci d'avoir fait un coup critique. Il me l'aurait tué avec Dynamo Point, il me le tue. Hein. Avec Dynamo Point, il me le tue. Bon. Du coup, on va avoir un Pokémon dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces eaux? Il manque des herbes ici. Route 14. Ah oui. Ah non, mais non, mais lâchez-moi! Putain de vieux! Bloc pain. Bon, l'épisode sera un peu plus long, mais au moins on fait des ondes. Bon, il fait hâte, c'est très bien, je vais le buter. On va bloc pain. Voilà. Mais non, mais... Bon, c'est pas grave, au moins on aura les arbres tranquilles. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces arbres-là? Delcati... Hop. Si je tombe sur un Delcati, je rage. Bluff. Allez. Oh non, mais t'es sérieux. Ça lui fait rien. Réveille-toi, tu t'es pris des claques dans la gueule. Allez, réveille-toi!
Putain, l'épisode va durer 10 ans. Juste parce que j'ai envie de capturer un Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Attendez. Non, il y a des autres dresseurs, j'ai pas envie. Donc, capturons un Pokémon sur la route 14. Bien sûr. Ça allait pas être une femelle, lui. Parce qu'on va avoir un Pokémon haut dans l'équipe, ça fera pas de mal. Je voulais pas un autre au vol. Ouais, c'est tout. On a déjà un vol. En vrai. Un Aquacox, très bien. Un Aquacox femelle. Allez. Femelle, 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 femelle. Alors. Comment je capture ça? C'est très bien. Allez, Super Ball. B plus bas. Ça marche toujours, on le sait. Non, ça marche pas. Hydrocure. Oula. Ah non. On va pas prendre de risque. Combo griffe. Comment je capture ça, en vrai? Allez! Un, deux, trois. Yes! Aquacouac. Donc, on est à 27 minutes. Putain, 27 minutes, les gars! Hop! Pokémon canard. Et donc, oui, je regarde parce que je me mélange avec les manettes. On va l'appeler... Clara. Voilà. Donc, Clara et Rocco. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Où on Non, on fait la zone. On la fera dans le prochain épisode. J'aurais dû faire vol jusqu'à Vagelon. Parce que si je croise un Pokémon là... Non, oui. Donc on la fera dans le prochain épisode, la zone. Voilà. On va prendre Clara. PC. Déplacer. Clara, où es-tu? Là. Je t'ai vu. Donc combo griffe, grincement, psy coup de boule et hydrocure. Très bien. Équipe Pokémon. Hop là. Et du coup on pourra lui apprendre surf. Très bien. Donc, les amis, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si ça vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre avec moi le monde de la folie. Et sur le Let's Play César Tricks. Bisous tout le monde.